En gare d'Arlon, ce train sera scindé. Seules les trois premières voitures portant le numéro 505 continueront à destination du Luxembourg. Les trois dernières voitures portant le numéro 514 seront limitées en gare d'Arlon. En gare d'Arlon, on dispose des temps nécessaires afin de changer de voiture. Alors après une attente non, ça se dit pas. Effroyable attente en tout cas. Avec un départ à d'abord prévu à 8h41 du matin à Namur. Nous retardons d'abord notre départ à 9h41 parce que les garçons ne se sont pas levés, évidemment. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Gus. Ensuite, à Namur, dû à un heurte de personnes du coup, tout le train à hauteur de Chamblou. Nous sommes dans l'impossibilité de rejoindre la gare de Arlon. Enfin, nous décidons d'aller jusqu'à Ciney pour attendre ensemble. Hein. On trouve Victor qui meurt, sens littéral du terme, parce que mort. Oui, il mourait. Complètement mort. Il était blanc, non, il était tremblant, il était. D'ailleurs, il ne répond il dort, plus. Hein, je pense qu'il est mort. Je rigole pas. Des... Donc, regardons l'heure. Nous sommes donc. Il est 13h. Il est 13h15, nous sommes partis à 9h du matin et nous arrivons enfin à Arlon. Oh, j'étais t'es content. Applaudis. Saucisse au café, c'est trop bien. Tu dois le dire aussi. Et moi, tu crois ça. T'as tout cassé. Elle pense ça, c'est. Ouais, ça fait partie de la vie du camping. Ça, je vois rien de ce que tu fais en fait. Ah, ça t'aide pas. Le camping, c'est la récréation. Tac à tout, ton saucisse. Il y avait le poisson. Tu l'as vu? Ouais. Putain, je te déteste. Là, il est là depuis 20 minutes. Mais ouais. Je te mets en vélo aussi un peu. Ah ouais, peut-être. En fait, ça marche peut-être. Une autre fois, j'étais déjà face à la mer. Comme on fait malgré les gens, putain, moi je me trouve trop poilon. Ma vie, tu vois, c'est le large. Limite 2 pour 5 en fait. C'est ma raison de vivre, tu vois. Moi, si je peux pas. Allez, je veux bien jusqu'à l'eau, je peux pas vivre, tu vois. Katou, on est les rois du monde. Pour rejoindre la Meuse, c'est pas bon. Pour mal de crâne, sur cette vague. Tu vas être vaseux.
palmiers, nous, bordel. Un micro machin, là. Micro. Start from a place within, don't you see? Because we don't want you up. And what you never had, I've seen it all before. Lay down the past and dead. The music is the beauty and the people better choose. The base of our attitude is a royal cruising. So dead, the end is barely coming. I say, come on, life is special in bed. So throw my hand, right do it, just right do it for me. Mais c'est trop bien. Teuf et tout. La teuf à Metz. Il est l'heure de rentrer à la maison. Je veux pas. Je veux continuer à m'amuser avec mes copains. C'est énorme. T'as joué bien, gamin, quand même. Y'a pas de chute. Allez, je suis sûr que t'as peur tout seul là. Y'a pas de chute, c'est bien. Si, y'a des chips aux oignons. Non, y'en a plus. On s'en va sans toi, Guy. Si, on s'en va sans toi. Partez pas sans moi. Eh ben, descends alors, dépêche-toi. Et on va pas t'emmerder, quoi. Je sais pas, ça dépend, moi je sais pas comment on va venir. Moi j'adore avoir ça encore dans ma tête. J'ai le temps, j'ai gagné! C'est joli, hein! On dit que tu es satisfait de ton week-end qui n'est pas le week-end? Si t'étais pas là, ça aurait été mieux, je pense. Putain, quel connard, quoi. C'est tout ce qu'il a à dire sur le week-end, tu vois. Jules, es-tu satisfaite de ton week-end qui n'est pas un week-end? Ah oui, c'était un moment très spirituel. Des fois aussi. Ah, c'est cool, à partir du boulot. Et vous, est-ce que vous êtes satisfaite de ce week-end qui n'est pas un week-end? Pourquoi on me demande pas pourquoi on m'associe directement à elle? Parce que vous êtes ensemble sur la caméra, donc vous êtes ensemble. Moi j'aime le soleil, la bouffe, les copains et l'alcool, alors parfait. Ça c'était une meilleure réponse. Je suis satisfait de mon week-end car il fait beau. Et on a fait tu vois pourquoi on t'associe à moi, Gus? Parce que t'as aucune personnalité et que t'es toujours parce que, moi. Et parce que... Il y a des copains. Il y avait des copains et de l'alcool. Et c'est mon opinion personnelle. Je me suis pas du tout inspiré de ma meuf. Attends. Et le toboggan de la plaine de jeu, il est trop bien. Ah ouais, j'avoue. Et j'ai réussi à aller tout en haut de la toile d'araignée tout seul. Ouais, moi aussi, mais j'ai pas souhaité descendre. Tu veux que je te filme, Kat, pour que tu lis son avis personnel? Non, ouais, ça si, va. Vas-y. Et n'empêche, fou quoi. Mais ouais, mais pour moi, c'est... Mais tu sais, genre, je m'arrête. T'as mal ta gueule? Moi je crois que je vais boire la part de 4. Putain, moi je crois que. Ah, mais ça va. Je sais que t'as besoin de super. Moi je m'en fous. Je me suis servi d'eau chaude, mais je vais faire d'eau chaude si tu veux. Pas t'expliquer. Et arrête de filmer! On fait la teuf, je coupe des citrons, tu vois. Et puis après, on va aller manger après avoir bu de la tequila. Et ça va être super sympa parce qu'on va aller sur des pédalos. Et on va boire de la tequila sur des pédalos avec du sel. Même si les pédalos sont à l'arrêt. On écrit les endroits des. Ça sur tes chiens. Qu'est-ce que tu fais, les gars? On y va. 3, 2, 1.
Tu mes copains. Santé, les gars. 2, 1, go. Ah, c'est bien. Santé. 3, santé. 2, 1, go. C'est la tequileuf parmi l'affreuf. C'est l'affreuf. L'affreuf. Sachez que santé. La France est qualifiée ce soir. Oh, la France est qualifiée. Santé, parce qu'on est quand même dans un hôtel 3 étoiles et qu'on s'en fout qu'il est je sais pas quelle heure et qu'on sait pas. Les gars, ça fait quand même 3 jours qu'on est à l'hôtel 3 étoiles. Santé. Putain, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Attends, mais reste de merde. On est en plein milieu d'une grotte. Dans une fontaine. La teuf à Metz. C'est plutôt assez insolite. C'est plutôt ça. C'est pas ça, notre jeu. C'est toi qui m'a appris ce jeu. Je voudrais te remercier parce que j'avoue que là, je passais un assez bon moment dans cette grotte. Il y a quand même des stalactites. Il y a quand même des stalactites. Et l'eau est carrément bonne. Attends. Rouge, je te mets au défi de trouver un endroit plus insolite que ça. Tadam. Les gars, santé, les gars. Je comprends pas le foot, moi. Mais imagine qu'en Belgique, à 7h06, si la Belgique est qualifiée, ils font la teuf, ils sont fous les joueurs. Ils sont tous en noir, jaune et rouge et ils font les fous. Ils cassent les vitres, ils ont des bières tous en main. Regarde, on est... Attends, filme un peu les gens autour. Non mais même la rue est vide quoi, la rue est vide. Les rues sont si vous le savez pas, la France est qualifiée. Ouais, c'est presque ça, faudrait les prévenir. Les gars, c'est dingue. La France est qualifiée. Ils ont tous des écouteurs, ils n'en ont rien à foutre. Putain, mais tu mets la Belgique, ils sont en feu, ils sont en train de tout cramer. Attends, t'as en Belgique, on s'est s'amusé. Après notre fin d'examen, Liège en feu, mec. Ouais, les mecs faisaient la teuf par-dessus leur camionnette. C'est clair. Et c'était putain, juste... Même à Ciné, c'était en feu, les flics klaxons. C'est ça. Ici, c'est mort. C'est en fait, Metz c'est nul, la France est nulle. Où est la teuf? Où est la teuf? J'arrive même pas à sentir où est la teuf, quoi. Non, je sens pas la teuf. Mmh. Ah, peut-être une... Si, là, ils ont des perruques de teuf, un peu. En tout cas, des perruques. Ah ouais, il y a de quoi faire. Il y a peut-être de quoi les stimuler, mais... Gus, explique la situation, s'il te plaît. Mais écoute, voilà... on est dans un hôtel 3 étoiles, il y a la piscine, là, regarde. La piscine débordante. Et j'ai assez envie d'aller me plonger un peu dedans parce que on voit de... Lèche mon avant-main droite. Excuse-moi, c'est l'heure où je lèche mon avant-main droite. Dernier petit mot pour la fin ou pas? Bah attends, la route n'a pas fini, on doit encore rentrer. Non, on doit encore rentrer et on va peut-être rentrer. Ouais, c'est vrai. On n'est pas là. Bisous. Wouhou! On a envie de rentrer chez nous. Et donc il n'y a personne. On espère juste qu'il y aura une bonne âme patronne. Nous sommes paumés.